Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette conférence de presse des Canadiens de Montréal afin de vous présenter l'entraîneur-chef par intérim, Martin Saint-Louis. Martin est accompagné sur le podium par le vice-président exécutif des opérations hockey, Jeff Corton, et du directeur général, Kent Hughes. Good day, everyone. Thanks for being with us today. Welcome to this Montreal Canadiens press conference. We're here to introduce the interim head coach, Martin Saint-Louis. Martin is accompanied by the Canadian Executive Vice President of Hockey Operation, Jeff Gordon, and General Manager, Kent Hughes. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Kent, Jeff et Martin pour un mot de bienvenue. Nous prendrons les questions des journalistes par la suite. I will now pass it on to Kent, Jeff and Martin for a short word of welcome, and we'll take the questions from the media after. Kent? Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tout le monde. Welcome, everybody. Je suis très fier, excité de vous présenter notre coach par intérim, Martin Saint-Louis. Very excited to introduce to everybody today our new interim coach, Martin Saint-Louis. Thanks, Kent. Thanks, Jeff. It's an honor for me to. C'est un très bel honneur pour moi d'être entraîneur des Canadiens de Montréal. J'ai grandi ici. J'ai été un gros fan des Canadiens. C'est quelque chose que je me prépare. Ça fait, je dirais, une dizaine d'années. J'ai eu la chance de me séparer du hockey professionnel pour 6 et 7 ans pour être avec ma famille, mes enfants. Et puis, je suis très chanceux d'avoir une femme qui me laisse encore poursuivre un rêve. I was able to disconnect from the pro game for about 6-7 years and to be able to be with my three boys and my wife. And I'm very blessed to have such a great wife that, again, allows me to pursue a dream that I always wanted. And again, merci beaucoup pour le... L'opportunité. Jeff. Yeah. No, I would just say welcome to everybody. Thank you for coming out. I would like to thank Dom Ducharme for his time with the Montreal Canadiens and all the efforts put in. Much appreciated by everybody here. On my end, it's a pleasure and honor to have Marty come and join us as an interim general manager, and we're very excited, you know, for today and for new beginnings. Merci beaucoup. Thank you very much. Nous allons maintenant procéder à la période de questions. Et dans cette première ronde, on vous demande de bien vouloir limiter, bien sûr, à une question afin d'offrir le droit de parole à tout le monde. Et si on a le temps, bien sûr, nous pourrons prendre des questions supplémentaires. Je vais inviter les journalistes également à lever la main et à vous identifier afin que Martin puisse bien vous connaître pour cette première journée. We will now take questions from the media. In order to be fair with everyone in the room, we ask you to please limit to one question each, and we'll see if time allows us to take follow-ups. When it's your turn to speak, we kindly ask you to raise your hand and identify yourself. Thank you. Alors, on va y aller immédiatement. On va, les micros, ils sont, on va commencer avec, bougez pas, je regarde tout mon monde, les mains sont levées. OK, on va y aller avec RDS Patrick Friolet. Bonjour Martin, bonjour à tous. Une question qui est autant pour Martin que pour Kent. Qu'est-ce qui fait en sorte que... quel a été le cheminement, la prise de décision, évidemment, et qu'est-ce qui fait en sorte que c'est par intérim pour le moment? Est-ce que c'est de part et d'autre de vouloir évaluer comment les choses vont se passer pour les prochains mois? Merci. Est-ce que je commence? Non, je vais y aller. Oui, écoute, pour moi, ça a toujours été mon rêve d'être entraîneur dans la Ligue nationale. Je le sais que c'était pas si j'allais faire ça, c'était une manière de temps. Quand est-ce que j'allais le faire? Quand que Kent m'a approché, j'avais aucun doute que c'était une très bonne opportunité et c'était le moment. Puis ça me dérangeait pas les termes ou le contrat. C'est pas ça que je veux. Moi, c'est l'opportunité. Dans toute ma vie, c'est tout ça que j'ai cherché, des opportunités. J'ai pas besoin d'avoir des promesses ici et ça. De moi une chance, puis je vais te montrer qu'est-ce que je peux faire. Martin McGuire. Oui, juste pour ajouter, on croyait qu'on avait besoin d'un changement.
rendu à cette étape dans la saison. On ne voulait pas laisser l'équipe en limbe, dans l'imbe en attendant 2-3 semaines pour croire qu'on devrait faire une décision vite. Martin était prêt à le faire à l'intérim. Question pour Kent, Martin McGuire du 98.5. Kent, lorsque vous avez été embauché à Montréal, vous avez certainement pensé à des gens avec qui vous aimeriez travailler. Est-ce que dès lors, Martin faisait partie de cette liste-là? Et est-ce que c'était nécessairement comme entraîneur ou si vous aviez peut-être vu Martin dans d'autres sphères autour de vous? J'ai toujours beaucoup de respect pour Martin comme personne. Je lui connais comme joueur de hockey. J'ai coaché contre quand il était dans le midget, dans les, je crois, le début de 1990. C'est le, il est représentatif de la culture qu'on veut établir à Montréal. Que ça a été coach ou d'une autre manière, c'est sûr, on veut attirer les gens, des gagnants, des travailleurs, des passionnés qui ont des bonnes têtes d'hockey. Martin, on connaît tes qualités de joueur de hockey. Ça a été reconnu pleinement pendant que tu étais là. Si tu voulais te définir comme entraîneur, quel genre de coach aimerais-tu être? Je crois que je vais être un entraîneur qui est très demandant, mais fair, comme on dit. Mais pas juste demandant physiquement, demandant mentalement, de comprendre la game. Puis c'est à moi de leur donner les outils pour les aider à la comprendre, la game, puis à jouer pas juste des beaux moments individuels, mais jouer vraiment une partie d'équipe avec et sans la rondelle. Puis ça prend beaucoup de... un petit peu de temps. Pas beaucoup, un petit peu de temps, mais beaucoup de collaboration. Collaboration de moi avec les entraîneurs et aussi les joueurs. C'est un procès, mais je peux te dire que je dois être un entraîneur qui étudie la game tout le temps et puis que j'ai pas toujours les réponses, mais dans ma vie, je sais que j'y trouve toujours. C'est une manière de s'améliorer, toujours à trouver les réponses. Les réponses sont partout, il faut juste que tu les trouves. Marc-André, TVA Sport. Oui, salut Martin, Marc-André Perrault, TVA Sport. Premièrement, pourquoi par intérim? Et deuxièmement, est-ce que ça te fait peur le saut? Parce que de ce qu'on comprend, ton expérience en tant qu'entraîneur, ça se limite au niveau très, très junior, là. Donc, t'es gentil. Il me semble que c'était Pee-wee. Ouais, c'est ça. Allons-y pour jeune. Donc, c'est ça. Est-ce que la marche, il y a un danger qu'elle soit trop haute et encore là, pourquoi intérim? Écoute, je sais que j'ai aucune expérience en arrière du banc. OK? Mais j'ai beaucoup d'expérience sur le banc, dans une chambre, sur la glace. Il n'y a pas un gars dans mon... Non, pas un joueur que je ne sais pas comment il se sent. Parce que j'ai été un gars des mineurs, un gars sa quatrième, sa troisième, un top six, un all-star. J'ai vraiment un pulse. Comment dis-tu un pulse? Un pouls. J'ai le pouls de qu'est-ce que ces gars-là passent à travers. Puis je peux les aider. Fait comme tu me demandes, c'est le jump. Oui, de coacher des gars de 16 ans, 17 ans, 15 ans, aller coacher des gars de 18, 25. L'hockey, c'est l'hockey pour moi. OK? Mais faut que tu gères les personnalités, un, OK? Puis les attentes, parce qu'ils ont toutes leurs propres attentes. OK? Alors, j'ai pas peur de ce jump-là. Puis, honnêtement, je sais que je vais m'améliorer à tous les jours. Mais le hockey, pour moi, c'est du hockey. J'ai triché, j'en ai posé une deuxième, l'intérim. Oh, l'intérim, mais on l'avait répondu, mais moi, quand on me demandait si je voulais venir, j'ai même pas parlé à c'est quoi les termes. J'ai dit OK, parce que ça me dérange pas. Ça n'a jamais été une question, qu'est-ce que tu veux? Non, j'ai dit, donne-moi l'opportunité, puis... on sent les choses s'arrangent toujours. OK? Fait que moi, comme je te dis, je suis pas un gars qui a besoin de promesses ici et ça. Donne-moi l'opportunité, puis je vais tout donner. Jean-François.
Salut Martin, Jean-François Chaumont, Journal de Montréal. Dans ta carrière de joueur, tu as tout gagné, probablement ce que tu l'as gagné. Tu as une place au Temple de la Renommée, plus de 1000 points. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as le goût d'embarquer dans ce défi-là avec une équipe qui s'en va plus dans le mur que vers la Coupe cette année? Tu sais, moi j'aime ça les défis. Toujours aimé les défis. Puis je sais que ce que j'ai fait sur la glace, ça ne veut pas dire que je vais être un bon entraîneur. Mais je sais que je suis un étudiant de la game, puis je suis un gars passionné. OK, j'en mange du hockey. Fait que quand tu me dis que pourquoi tu veux faire ça, ouais, un, c'est le Canadien de Montréal. OK? Puis deux, je suis le coach en chef. Alors, c'est deux très bonnes raisons pour arrêter tout ce que tu fais. Même laisser ma famille, qui n'est pas facile. Mais j'ai eu un bon 6-7 ans vraiment à les aider à se développer sur la glace et hors glace. Je sais qu'ils sont dans des bonnes mains. Fait que c'est, y a tellement de positifs, puis je ne m'arrête pas à où est-ce que l'équipe allait présentement. C'est pas important pour moi. C'est pour ça que c'est pour ça que tu... Pour moi, c'est pour ça qu'on vit. Si t'es pas prête à avoir des obstacles et des choses difficiles, mais t'as jamais, des moments pour grossir comme mentalement, personnalité et tout. Si tu veux juste des choses faciles, c'est dur de grossir comme humain. Alors, moi, j'adore ces opportunités-là, puis je suis vraiment excité. Simon-Olivier. Ici en arrière. Bonjour, Simon-Olivier Lorange de La Presse. Où qu'on est? Ici okay. En arrière. En fait, félicitations pour la nomination, mais je vais switcher dans un mauvais anglais parce que ma question est pour tes voisins. Ma question is in for Mr. Gorton, Mr. Hughes. I'm curious to know if you feel you could have done more to help Dubé Ducharme. I don't question the fact that you're making a change right now, but since you were hired, Mr. Gorton, you basically made almost no roster change. You didn't bring a goalie, neither did you, Mr. Hughes, even if your two young goalies were getting killed in front of the net. I was wondering, like, I'm repeating myself, but do you feel you could have done more to maybe help Mr. Ducharme? I'll answer that. I mean, yeah, of course. There's always things you look back and could have, would have, should have. I think that, I came in a few months ago, Kent, a little less than a month ago, so trying to set up our front office and where we're going to do and where we're going to go and spent a lot of time doing that. So, yeah, I think that's a fair question. The answer, yeah, I think that, of course, but, by the time I got here, the team was, there was not a lot of wins. The season was in tough shape. So really it's about learning the players and where we go from here. But yeah, it's a fair question. Of course, we could have done more and, I can certainly appreciate the question. If I could add to that, we could have done more to put a team that would have allowed Dom a better chance, say from game to game. Our objective isn't to do it from game to game. Our objective is to build a team that's capable of competing successfully for a long term. We weren't going to make a short-term decision. And so we're really being guided by those principles and we're working hard to do that. And there will be changes. This is the first of several. Eric. Hey guys, Eric Engels from Sportsnet. Love the color coordination between you. I have a question. Before I ask it, I just want a clarification on something. Do you prefer to be called Martin, Marty, Coach? What's your preference? And will you be behind the bench tonight? You can call me however you like. Okay. Okay? And yes, I will be behind the bench. Okay. Marty, you have an experience of people doubting you. And I think when Marc-André just mentioned that you coached at a junior level, you corrected him and said, Pee-wee, there's a lot of people out there that are doubting you right now. What do you have to say to those people? Well, if anything this team needs right now is to have fun. And so, I know when they were Pee-wees, they had a lot of fun. So, I'm probably the most qualified guy right now. people are entitled to their opinion. And, for me,
all that stuff, you know, as an athlete, as a human, all that stuff that people want to doubt or talk and say and comment, to me, it's all noise. It's always been noise. And I've always been a guy that blocked the noise and gets after it. And that's what I intend to do. Doesn't matter what I say, what experience I had, I'm still going to get judged on how I perform and how I can help this team. And Eric, as an extension of that answer, at this point in the season, the decision for a coach was more about the qualities of a coach that we were looking for and the development of our hockey players than it was about experience or winning the next hockey game. And I've known Marty, as I said, I coached against him. When I started in law school, I worked for a law firm that represented several hockey players, and I went to the head lawyer slash agent and said, we need to recruit this kid who's a freshman at UVM, and he said he's 5 foot whatever. I'll let Marty clarify how tall he is, but he said he'll never play in the NHL. And I told him, I know this kid, he'll play in the NHL. A lot of people bet against him. I, for one, have chosen to bet on him, not against him. And I'm pretty sure he'll make the doubters revisit it in time. He's listed at 5'8". There you go. I'll take that. Then I'll go with 5'9". Yep, Sold. Marc Defoy, ensuite on va y aller avec Dan et John Lou. Messieurs, gentlemen, Martin, tu as répondu un peu à la question que je veux te poser. Tu as dit que ces gars-là, présentement, ont besoin d'avoir du plaisir. Mais je suis que tu n'arrives pas ici à la Beuglette, là, tu as dû regarder cette équipe-là cet hiver. Je suis pas mal convaincu. J'ai peut-être pas vu tous les matchs, là, mais tu sais un peu ce qui se passe. Qu'est-ce que tu vas faire? Là? Qu'est-ce qu'il y a d'intention de faire en premier? Qu'est-ce que tu penses qui urge le plus? Puis si je peux me permettre une deuxième question. Mais tu veux-tu attendre? Parce que je vais oublier ta première si tu me poses la deuxième. Qu'est-ce que tu penses qui est le plus urgent? Besoin? Ouais. J'écoute beaucoup de hockey. Okay, pas juste le Canadien, j'écoute beaucoup de hockey. Comme je te dirais, ça fait peut-être 10 ans que je me prépare pour ça. Puis si tu veux être prête, quand tu as ta chance, faut que tu écoutes le hockey, puis faut que tu saches ce qui se passe, puis comment que la game, elle évolue. J'ai une bonne idée de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Pas juste le Canadien, mais je parle à travers la Ligue nationale. Il y a bien des différentes manières que tu peux jouer la game. Beaucoup. Okay? Mais la manière que tu veux jouer, il faut que tout le monde la joue ensemble. Pas juste avec la rondelle, mais sans la rondelle. Alors, pour moi, j'ai un plan dans ma tête, puis ça fait longtemps que je travaille ce plan-là. Mais c'est impossible pour moi d'arriver ici puis tout leur donner en même temps. Parce que là, c'est trop d'informations. Fait que mon but, c'est d'attaquer les choses les plus importantes une à la fois. Puis un coup qu'on a s'occupé de ça, on va passer à d'autres choses. Parce que je veux qu'ils pensent pas beaucoup, je veux qu'il y ait de l'air, qu'ils respirent, puis je veux qu'ils s'amusent. Fait qu'on va leur donner des informations, on va travailler là-dessus, puis on va passer à d'autres choses. Dans un environnement de travail, puis de, comme je te dis, d'être vraiment connecté, pas juste physiquement, côté travail, mais ici. Moi, je veux que les gars soient engagés mentalement. OK? Puis c'est là que, si on peut grossir leur compréhension du jeu d'équipe. Ma deuxième question, ça apporte, bon, tu vas être toi-même, là. Mais je sais que, on en a déjà parlé le souvent, que tu as beaucoup de respect pour John Tortorella. Je m'attends pas à ce que tu te comportes comme lui devant nous autres. Je ne penserai pas. Mais tu as sûrement des choses que tu as retenues de lui. Tu as déjà joué pour différents entraîneurs pendant ta carrière. Puis ouais. Là, ben, c'est ton tour. Tu vas vouloir être toi-même, mais y a des entraîneurs de qui tu as retenu des choses que tu veux appliquer? C'est sûr, quand tu évolues comme humain, coach, joueur, comme j'étais un joueur de hockey, il y avait des gars autour de moi qui faisaient des choses meilleures que moi. Puis je disais tout le temps, il faut que je fasse ça meilleur, je vais prendre ça de lui, J'ai eu beaucoup d'entraîneurs, OK? Puis je te dis, comme entraîneur, je vais prendre des choses de bien du monde. OK? Puis c'est la seule manière de continuer à t'améliorer. J'ai beaucoup de respect pour Tortorella.
C'est un gars qui amène beaucoup de culture dans une équipe. Okay? Il a sa manière, mais il a une très bonne culture dans son équipe. Puis ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Hi, Martin. I'm Dan Robertson with TSN 690. You mentioned about the guys needing to play and to have fun again, and you play with a lot of fire and passion, and I think that's been lacking with the team, especially as the season's gone on. How do you do that? How do you get the guys to play that way? Well, I think you have to inspire them a little bit. You got to motivate them. I think, at the end of the day, this is a National Hockey League. And, you know, every game they should put their best foot forward to be as productive as they can to help the team win. For me right now, it's getting excited to play hockey again. They've gone through some tough time this year, obviously, with the injuries, COVID. But my job coming in is just inspire them. And I think I think it's one of my strong suit. John? Hi, guys. John Liu from TSN. A question for Jeff and Kent. Sorry, it's a two-parter, but they are connected. Jeff, back on December 3rd, you said that that Dominic Ducharme would remain as the head coach till the end of the regular season. So I'm wondering what happened between now and then in your perception that required this change to be made, and if you and Kent can chime in on the process that brought Marty to this position when it started, because it seemed like it came together very quickly. Yeah, for sure. When I came here, intention was to have Dom finish the season. But as the season went along, as things were playing out, the way we were playing, I just felt that it was deteriorating. And then my conversations with Kent, just talking about what we had to do to try to, we didn't have 5 games to go. We have 37 games to go. And that's a large part of the season, and there's a lot of teaching that has to happen. There's a lot of development that has to go on. And I just felt like, we felt as a group, it was time. It was time to make a change and move it forward that way. Along the way, we had decided recently that, Dom wasn't going to be here for next year, and we just felt like now was the time. If we were going to let him go after the season, why not do it now and take advantage of this opportunity, these 37 games? As far as the timeline, since Kent came on board, we're evaluating everything, we're looking at everything, and over the course of the last few weeks, it just became evident that the team just needed a spark, and so we started to talk about names, and Marty's name came to the forefront. We both have history of knowing him. He played for me in New York. Kent has a history of knowing him. He talked about that. And then we both have spoken to him at different occasions over the past, I would say, 10 days and to a week and kind of just closed the deal. As we came back, I felt like it was time to give Dom a little more time. Hopefully we were getting all of our players healthy, maybe give him another opportunity. But on Tuesday, after the game, when we left that game, we just felt like it was time, that the group needed a change and we needed to move forward. John, the only thing I'd add to that, listen, we have a blueprint in what we want to accomplish here. We're going to do that over a period of time. I'd be lying to you if I told you today that we know step by step every single dot that's going to be connected over the next X number of years and that we're going to execute every single one. I think there's a component in this business that you're going to react. We're going to react without compromising what we're trying to do. But there's no way we're going to be able to say, hey, we're going from dot A, B, C, D in this direction over the course of time. Merci, John. Pat? Pat Hickey, Montreal Gazette. Marty, we know what you've done in the past. And you talked a little bit about the things you bring to the job. What are the things that you have to work on to get better at? What are your challenges you're going to face? I think the most important thing is I need to get to know my players. I think as a coach, you coach a team, but the reality is you're coaching individuals. And you're not coaching everybody the same way because everybody's different. You hold everybody the same standards, but there's probably different expectations, from certain players. It's really hard to navigate that until you get to know your players, and I intend to do that so I can
execute what I want to execute the best I can. Arpin. Hey, Arpin Basu, The Athletic, over here. Marty, I spoke to someone that you've worked with for a little while down in the prep ranks, I guess, and mentioned that you don't believe in systems, you believe more so in concepts, except you didn't know what the difference was between the two. Could you describe your philosophy? You mentioned how you've been formulating a plan over the past 10-odd years watching the NHL. Don't expect you to go into detail on that plan, but just that philosophical difference between hockey systems and concepts and how you deliver that to your players. Yeah, I mean, systems, I feel like you box players in to be in a certain spot. And sometimes you don't allow them to make reads because of it. A concept is more playing with a little more instinct, with ideas of how we want to be as a team. Now, there is structure inside concepts. You know, systems, you can say structure. When systems, you box players in into only certain things they can do. And that was probably one of the things that I hated the most as a player, is play in a system where I was a great player when I was allowed to make reads, because the best players make the best reads. But if you take the reads out of the equation, those best players become average. So I want to make sure that I allow my best players to make reads. And I'd rather them make a bad one than not making a read at all. And sometimes in systems, there's not much reads. So that's why I'm more excited about as a player playing in a concept than in a system, but there's tons of structure in a concept. It's just a little more freedom. Merci, Stu. For Martin, Stu Cowan, Montreal Gazette, right here. Congratulations, welcome back home. My question is more of a personal nature, I hope you don't mind, but what was it like for you last night being at home with your dad as the new head coach of the Montreal Canadiens? And I know your late mother was one of your biggest supporters. Yeah. What would she think today seeing her son sitting there? Yeah, she's smiling down, I tell you that. And, you know, she always told me, show them, Marty. And I know she's saying that. Yep, you're showing him again. But my dad, yeah, by the time I got there, I think he had 2 phone interviews. I think his schedule is filling up pretty quick. I told him to get off the phone. But because my dad is, he won't say no to anyone. He's the nicest human I ever met. And, you know, it's a special moment for him. Listen, my dad's from Mont-Laurier, okay? He grew up on a wood mill with 14, there were 14 kids, okay? He was number 10. They used to watch the Canadians. At first, they watched it, they listened on the radio, but then TVs came out. But they didn't have a TV. So they went to the TV store, and the TV store would put the third period on through the window, you know? Nobody's inside, everybody's outside watching, freezing, and my dad's on top of his brother's shoulders. My dad's been a huge Habs fan. You know, he can tell you who scored all the goals, you know, all the cups and everything. So for him to see his son behind the bench of the Canadiens, like, I mean, I know he's proud, and I know it's special for him, but it's special for me too. And there's just so much, you know, being a fan for the Canadiens for so long, and now to really be part of it. And trust me, he feels he's part of it too right now. So, you know, but you know, like I did as a player, you know, I'm going to lean on my dad. And I think it's important to have somebody to just, you know, to vent to, talk to, just so you're ready for the next day. You know, because you can't carry negative stuff to the next day, you know, because I do believe in this league, the most important day is the next one. And I know my dad's going to help me with that. Merci, Jonathan. Oui, Jonathan Bernier, Journal de Montréal. Félicitations, Martin. Je peux confirmer d'ailleurs que ton père a de la jasette pas mal pour y avoir parlé hier. Ma question est pour Kent. Les adjoints ont été reconduits, donc, continuent le parcours jusqu'à la fin de la saison. Est-ce que c'est pour aider la transition de Martin et est-ce que leur statut va être reconsidéré à la fin de la saison? Oui, ça va être la décision de Martin à propos des adjoints, mais ils vont compléter la saison, c'est sûr. Puis de là, ça va être la décision à Martin. Et Martin, de les avoir avec toi, un gars comme Luke Richardson, est-ce que ça t'aide dans ta transition? Oui, c'est sûr. J'ai joué avec Luke à Tampa. Luke, c'est
très bel exemple de meilleur coéquipier, ultimate teammate, comme on dit, là. Puis j'ai joué contre Alex, puis j'ai joué contre Trevor. C'est des très bons gars de hockey, je suis sûr. Puis moi, je viens pas ici puis changer toutes les choses du jour au lendemain. Moi, je veux observer. Je les connais pas comme entraîneur. Je veux observer comment ils opèrent, leur philosophie. Puis je veux pas quelqu'un qui va juste dire « oui, OK ». Je veux quelqu'un qui est capable de me challenger aussi puis d'avoir des discussions. Je crois comme entraîneur, la job d'un entraîneur, c'est toujours convaincre quelqu'un pourquoi qu'on fait. Faut-tu convaincre tes joueurs comment que tu veux que tu joues? Tu peux pas juste dire « c'est comme ça qu'on joue ». Parce que s'ils croient pas en ça, c'est dur qu'ils aient joué comme ça. Faut-tu convaincre tes joueurs. Puis comme entraîneur, il faut qu'on se convainque qu'on fait les choses de cette manière-là. Puis c'est pas... j'arrive pas ici comme un dictateur, puis sinon c'est comme ça. Je veux apprendre de d'autres mondes aussi. Peut-être qu'il y a d'autres mondes qui vont montrer des choses. Puis je suis pas un gars borné, je suis un gars très ouvert, puis j'ai toujours été un gars d'équipe. Fait que j'ai très hâte de travailler avec ces gars-là. Merci, Jonathan. Richard? Oui, alors, matin, Richard Labbé de la presse à l'arrière. Salut. Tu dis que tu n'es pas un dictateur, mais il y aura des décisions pas faciles à prendre. Je suis sûr que tu as vu l'équipe jouer dernièrement, des 7-1 puis des 7-2. Il y a de l'effort qui n'a pas été fait. Si tu sens qu'il y a des vétérans qui ne donnent pas de l'effort, est-ce que tu vas être capable de les envoyer dans les gradins? Est-ce que tu vas être capable de les mettre de côté? Est-ce que tu vas avoir cette possibilité-là? Là? Est-ce que tu as l'appui pour faire ça, justement? Je suis sûr que j'ai l'appui de faire ce que je veux. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'il va falloir qu'il arrive pour qu'il soit dans le gradin. Puis moi, j'étais un gars qui est très positif, puis je suis très convaincant. Fait que je suis sûr que je vais être capable de les amener de mon côté, puis de les faire travailler le plus qu'ils sont capables de travailler. Merci beaucoup. Kevin? Oui, c'est le Martin, Kevin Vallée, 91 de Sport. Autant des anciens joueurs qui ont joué avec toi que des gars qui t'ont côtoyé comme entraîneur plus jeune vantent ton discours au niveau de l'esprit de compétition. Quand tu vas parler à des vétérans puis des joueurs qui ont peut-être de la misère à trouver des façons de se motiver dans une saison de 8 victoires en 45 matchs, comment tu convaincs ces joueurs-là de se donner à 100%? Je crois que, c'est l'environnement. La culture et l'environnement et leur propre fierté. Tu sais, dans le fond, si à un moment donné, tu n'as pas d'effort, ils font mal à leur carrière, ils font mal à leur image. OK? Puis à un moment donné, il faut que tu donnes la chance à quelqu'un d'autre. Est-ce que lui, sans effort, il donne plus à l'équipe que lui avec beaucoup d'effort? Parce que je sais qu'il y a des gars qui ont l'air à ne pas travailler aussi fort, mais sont très productifs. Parce que peut-être qu'ils travaillent plus avec ça qu'avec les jambes. Alors, c'est comment tu mesures l'effort? Oui, moi, j'ai un bon pouce sur comment mesurer l'effort. Puis c'est pas juste, comme je dis, travailler fort physiquement. C'est travailler fort, activer le cerveau aussi. Puis être capable d'absorber, puis aller effectuer. Être capable de se faire coacher, puis prendre des critiques ou des idées, puis aller le faire sur la glace. Mais écoute, je sais, on joue 82 games d'une saison. Je peux te dire des fois que j'avais-tu la même effort ou la même motivation à game 53 ou à game 82, puis si on fait les séries ou pas, si on gagne ou pas. Tu sais, il y a un niveau... des fois, il y a de la pression externe, des fois, qui fait travailler un petit peu plus fort. Et c'est pour ça que j'adore les séries, parce que c'est une grosse pression externe qui montre qu'est-ce qui est en ligne, qui fait travailler les gars plus fort. Puis il faut que tu manages ça durant une saison régulière. Puis c'est à l'entraîneur de garder les standards. Mario. Merci. Salut Martin, Mario Nanglois, 98.5. Martin, ça fait des années que tu te prépares. Je parlais à Vinny hier soir, Vincent, qui disait que tu as toujours voulu être un coach. Est-ce que, je me rappelle de ton discours au temps de la renommée, tu parlais de la fenêtre d'opportunité, de la window of opportunity. Il y a un mot qui a résonné fort souvent depuis le début de la conférence, c'est intérim. Mais ce que j'entends, c'est pas un gars qui s'en vient ici et que ça marche pas. Là. Tu sais, l'intérim, c'est un détail. Je veux dire, tu t'en viens ici pour que ça marche.
Et la side question à Ken, c'est, tu parlais, quand tu étais présenté, d'un coach comme un leader. Est-ce que tu as l'impression que tu as trouvé ton leader? Martin, je serais curieux de t'entendre. Donc, t'en viens ici pour que ça marche, toi-là. Oui, je ne m'en viens pas ici comme un professeur suppléant. Suppléant. Oui, un professeur suppléant. Je ne m'en viens pas ça. Moi, je m'en viens ici pour montrer mon travail. On s'arrangera avec les choses cet été. Mais j'ai très l'intention d'être ici pendant longtemps. Mais il va falloir que comme encore, je prouve et puis que je le mérite. Je dirais que on ne l'aurait pas amené ici s'il amenait pas les qualités comme coach qu'on cherchait. Alors, puis j'ai dit tantôt que je suis pas le gars qui veut gager contre Martin Saint-Louis. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe. Merci, Mario. Sean. Sean Farrell from NHL.com. Question for you, Kent. You've had a long relationship with Martin. When did you first identify him as somebody who would be a coach? Not necessarily for this, but just knowing him. When did you see that quality in him? And also, the way Martin played, is that the kind of culture that you want to see in your team? Is the approach that Martin had, all the obstacles he had to overcome? Yeah, I think the job of to take a step back, in terms of having first recognized that he had those qualities to be a coach in him, I think I described myself as a hockey junkie and he described himself as eating hockey. I think you can figure between those two that when we're together and our wives are there, there's two separate conversations going on, one that involves strictly hockey, and we've talked about everything under the sun when it comes to hockey. From, you know, I see hockey the way Marty sees it, in terms of not systems but concepts. Like, a concept could be puck support, and how do we create a puck support structure that works, style of play, you know, players. What I've learned about him, forget about the X's and O's, he has all of that. He's always thinking about the game. He's got a very analytical mind, very, very analytical mind. And it's not just about the X's and O's, it's about the individuals, it's about the group. I couldn't think of a guy, you know, I knew he was going to be involved in hockey as soon as he got his kids to the right point in their life, that he could make that commitment back to the sport, because Marty would never do it anything but 130%. And I didn't know whether now would be that time for him, and I think we're fortunate that he said yes. I mean, the culture of the team for us, you know, I don't want to say we're trying to reset the culture. We're trying to establish the culture that we would like to see, and he's the embodiment of it. You know, again, I saw him play when he was a midget. I heard everybody say he couldn't do it. I saw him play in Hawkesbury. I saw him play at UVM. I think it was Calgary's farm team was St. John at the time. You didn't go there. He just kept getting no. You know, as his mom said, you show them. He always did. So, you know, it's time for our team right now to start showing the hockey community, to the fans of the Montreal Canadiens, that, you know, we're not going to roll over here, okay? We understand we're not going to make the playoffs this season, but we're not going to roll over. We want a competitive team. We want a team that brings culture. Marty's the perfect embodiment of what we want to accomplish here, not just this season, but going forward. Merci, Sean. Marc-Antoine. Salut Martin, c'est Marc-Antoine Godin des The Athletic. Bienvenue à Montréal. Re-bienvenue. Écoute, tu parlais tout à l'heure du fait que tu étais davantage partisan des concepts d'une structure de jeu, puis que ça te laissait, toi, comme joueur, la créativité pour pouvoir t'exprimer. Tu es un joueur membre du Temple de la Renommée. Tu avais un talent extraordinaire. Des joueurs qui n'ont peut-être pas ton niveau de talent actuellement, est-ce que tu penses que ils n'auraient pas besoin de plus de structure que toi, tu en avais, parce que tu avais des talents innés que peut-être pas tout le monde a dans cette équipe-là? Oui, mais tu sais, les joueurs talentueux, je crois que la plupart du monde focus beaucoup quand ils ont la rondelle. Puis, tu sais, là, c'est spectaculaire. Qu'est-ce qu'ils font avec la rondelle? Et la game de hockey est jouée sans la rondelle. Quand tu y penses, combien de fois tu touches la rondelle, c'est sans la rondelle. Alors, de ne pas être créatif, de ne pas être aussi créatif
qu'un joueur étoile avec la rondelle, ça ne m'inquiète pas. Mais si tu es capable d'être à bonne place sans la rondelle, avec la bonne vitesse, tu vas toucher à la rondelle beaucoup plus. Fait que peut-être là, tes habiletés vont s'améliorer parce que tu y touches à la rondelle, parce que tu es à bonne place. Alors, ma philosophie, je te dirais que je coach beaucoup plus sans la rondelle, pas le gars avec la rondelle. Merci. On est avec Claude. Claude Guillet, TVA Sport, bonsoir. Bonjour. Je fais appel aux compétiteurs en toi. Tu nous parles beaucoup de comment tu veux voir ton équipe, la mentalité, tout le mindset, cette culture-là que tu veux instaurer. Éventuellement, le compétiteur en toi, plus tu vas avoir du renfort, plus tu vas vouloir gagner. Mais quand on entend les coachs, soit retraités ou off-mic, on entend toujours aussi, tu sais, la compétition avec le gars en arrière du banc, l'autre bord. Comment tu vois aborder ça? Tu sais, juste ce mois-ci, tu vas rencontrer des Craig Berube, des Barry Trotz, ce soir, Peter Laviolette. Parle-moi de ça. Écoute, c'est du monde qui ont des très gros résumés. Alors, pour moi, c'est sûr, j'adore gagner, puis je sais que je suis très compétitif, mais je te dirais que mon expérience d'entraîneur, je suis très focusé sur mon équipe, beaucoup plus que sur l'autre équipe. Alors, je me porterai pas beaucoup qui c'est qui est en arrière de l'autre banc. Je vais savoir quel genre de game qu'il veut jouer, je vais être planifié, mais quand que la game commence, je suis vraiment focusé sur mon équipe. Mais je sais que je suis un compétiteur, j'aime gagner, je ne sais pas si je vais vraiment me porter à l'autre côté sur l'autre entraîneur. Va voir. Puis ça peut être très différent. Comme je te dis, j'ai jamais été en arrière d'un banc. Fait que je vois-tu être intimidé? Peut-être, je sais pas. Mais je pense pas que ça va changer que si je veux faire avec mon équipe. Merci, Claude. On va y aller avec les questions supplémentaires. Marc? Merci pour la deuxième chance. Je vais faire comme Martin, je saute sur l'opportunité. Martin, dans les joueurs que tu vas diriger, là, il y en a un avec qui je pense que tu vas être d'accord pour dire qu'on peut faire une association naturelle. Ça s'appelle Cole Caulfield. Il y en a des joueurs qui disent, ben, t'es pas ici, là, mais il y en a qui pensent qu'il devrait retourner, qu'il devrait aller à Laval pour apprendre à jouer puis tout ça. Qu'est-ce que tu peux me dire de lui en ce moment? Tu peux-tu faire une comparaison avec lui? Tu sais de quoi je veux dire, de quoi je veux parler? Non, mais c'est un jeune qui a eu beaucoup de succès toute sa vie, jusque là, cette année. OK? Alors, c'est difficile, ça, d'avoir des obstacles. OK? Puis moi, les obstacles, c'est l'étape numéro un pour grandir comme joueur. Si tu n'as pas d'obstacles, c'est dur à grandir comme joueur. Puis, je suis très confiant que Cole va continuer à grandir comme joueur. Là, comment est-ce qu'il se sent présentement? Honnêtement, je suis sûr qu'il ne se sent pas très bien à propos de sa game. Mais, tu sais, il faut que je commence à travailler avec les jeunes joueurs. Puis, quand tu crées la relation, le respect et tout, mais là, tu peux avoir un plan. Puis, je sais, je vais essayer de l'aider. Mais là, de dire que s'il faut qu'il y ait un éminent ou pas, je ne sais pas. Il faut que je le voie à tous les jours. Il faut que j'y touche à tous les jours. Il faut que vraiment je voie où c'est vraiment qui est. OK? Pas juste physiquement, mais mentalement. OK? Puis, qu'est-ce qui passe à travers comme joueur? Je l'ai passé à travers. Fait que je sais c'est quoi. Puis, c'est pour ça que je dis que je suis capable de l'aider. Merci, Marc. Eric? This question's for Jeff, actually. Been very quiet, so I figured I'd give you one. I have a translator, so I'm doing good. He was having an audiobook. How much did bringing Marty in here influence the way you'll think about Caulfield moving forward, actually? Is obviously, there was a good case to be made that he needs to regain his confidence in a place like Laval, where he'll see a lot of puck touches and get on the ice quite a bit more potentially than he has been recently. But now, you have someone like Marty here, is it more valuable in your eyes to
to keep him here with Marty? Yeah, it may be. I think, you know, what Marty was saying, he's going to have to feel comfortable with him and get to know him on and off the ice and see if he can help him. You know, I think with all the players, bringing Marty in, there's a certain, you know, if you were in our room when he just spoke to the team, you would have had goosebumps because there's a certain vibe, there's a certain energy, we should be all feeling it now. He wants his job. He's, you know, we all say interim. Well, he's putting it on the line. He's coming here. He's going to, you know, his whole life has been about I'll show you. And our players felt that in his 10-minute conversation with them an hour ago. I felt it. I've always felt it about him. You know, Kent feels that way. He's somebody you want to be around in hockey. He's always been a guy that we all knew was going to have success. And, you know, so I think it's going to help everybody, right? There's going to be an energy around the team right now that we need. There's going to be an environment, I think, that we need to evaluate players, to move forward, to make the right decisions. And, you know, I think it's an exciting time for the players, right, to get a kind of a second chance here in the last 37 games and have their season mean something right now. On va y aller avec Patrick. Ensuite, on va y aller avec Simon-Olivier et quatre autres, les quatre gars qui m'ont demandé des follow-up. Alors, vas-y, Patrick. Et on va terminer après parce qu'il y a 6 jours de match. Merci. Bonjour à nouveau, Martin. Patrick Friolet de RDS. Tu as parlé du fait que tu as vécu la Ligue nationale. Tu l'as vécu comme jeune joueur, tu l'as vécu comme vétéran. Dans ta philosophie comme coach, est-ce que ce sera important pour toi de t'appuyer sur des vétérans? Évidemment, là, tu vas apprendre à connaître ton groupe, mais est-ce que tu veux identifier un noyau de joueurs sur lesquels tu peux te fier ou est-ce que tu vas y aller de façon plus générale avec tes joueurs? Non, je crois que c'est important d'être capable de s'appuyer sur des joueurs vétérans. C'est sûr que quand tu es vétéran, on pense de toi comme leader, tu sais, il faut que tu lead. Mais c'est pas tout le monde qui a des qualités de leadership, OK? Mais il y a des différentes manières d'être un leader. Tu as un leader par expérience, un leader qui, par exemple, tu as des leaders qui sont vocales. Fait que moi, qu'est-ce que je veux pour ceux de mes vétérans, c'est qu'ils soient des leaders de leur manière, qu'ils soient eux-mêmes, OK? Mais aussi, c'est important que les jeunes, ils soient capables d'être leaders aussi de leur propre manière. OK? Puis habituellement, quand tu es jeune, c'est ta force, ton travail physique. OK? Puis plus tu vieillis, tu as peut-être une opportunité d'être dans une position de leadership, puis où peut-être que tu as les qualités vraiment d'être un leader vocal. Mais c'est pas tout le monde capable d'être leader vocal, puis il faut que je voie, il faut que j'aille du temps avec mon équipe pour savoir c'est qui ça, qui fait quoi. Et puis, un coup que tu t'habitues à ton monde, mais tu es capable de t'appuyer sur les personnes à des moments clés. Simon-Olivier. De nouveau en arrière ici. Cette fois, c'est la question pour toi, Martin. Quand tu as gagné la Coupe Stanley avec le Lightning, je ne pense pas que tu te faisais parler souvent de statistiques avancées, peut-être plus tard dans ta carrière, mais dans tous les cas, une des priorités que tes deux voisins ont établies déjà, c'est de construire un département statistique avancé, puis que ce soit une partie intégrante du travail du nouveau management, si on veut. Quelle importance t'accordes à ça? Tu as été un joueur très instinctif, tu parles beaucoup des lectures de jeu, mais c'est quand même un élément très théorique de la game. C'est quoi ta relation avec ça? Oui, j'ai... Les statistiques avancées, ça ne dit pas toute l'histoire. OK? Ça fait partie de l'histoire un petit peu. Mais pour moi, je sais que durant le match, je vais avoir une idée comment que chaque joueur y a joué. Après le match, quand que je vais regarder le game, je vais avoir une très bonne idée comment tout le monde a joué. Et puis, si je vais comparer ça avec les statistiques avancées, peut-être que ça ne dira pas la même chose. Fait qu'il faut que je fasse attention de ne pas juste écouter les statistiques avancées. OK? Parce que des fois, il y a trop d'importance là-dessus, puis il n'y a pas assez d'importance vraiment sur quoi qui est important. Parce que les statistiques, c'est des statistiques, mais si peut-être qu'on est capable de développer des statistiques avancées qui nous aident à nous autres de la manière qu'on veut jouer, qui soient plus productifs, pas juste des chiffres qui peut-être qui n'aident pas le genre de concept qu'on veut jouer. Fait que ça, c'est quelque chose que je sais que ça serait très formidable de développer. Que quand tu regardes ces chiffres-là, ils te donnent vraiment une bonne idée de qu'est-ce que l'athlète fait. Mais je serais confiant à l'œil puis au feel que comment que certains joueurs y jouent. Merci beaucoup. Les quatre prochains seront Marc-Antoine Harpin, Marc-André et Jean-François.
Oui, bonjour, Marc-Antoine Godin de The Athletic. Ma question est pour Kent. Tout d'abord, est-ce que c'était important pour vous d'avoir un ancien joueur comme entraîneur? Mais surtout, vous connaissez autant Jeff que toi, vous connaissez très bien Martin. C'était votre homme, vous savez quel genre de gars c'était. Puis vous lui faites confiance, mais où est-ce que vous tracez la ligne entre le fait de vous entourer de personnes en qui vous avez confiance, des personnes avec qui vous savez que ça va, vous pensez que ça va marcher, et puis aussi de garder la porte ouverte à des idées de l'extérieur, des influences qui sortent de votre réseau? Peux-tu le répéter encore? Je veux que je réponde de la propre manière. Okay. Ce que je veux savoir, c'est où est-ce que vous tracez la ligne entre vous entourer de personnes qui sont en qui vous avez confiance, puis vous avez l'impression que ça va fonctionner. Et puis, quand, malgré ça, de garder la porte ouverte à avoir des influences de outside your network? Je crois que ce soit dans quelqu'un qu'on connaît ou quelqu'un qui est, comme vous avez décrit, outside our network, ça, c'est pas important. Moi, que Martin soit un ami ou pas un ami, aucun rapport. On cherche. Le mot en anglais, c'est « process driven », OK? Puis c'est la manière qu'on veut gérer cette équipe. Alors, la décision a été déterminée au départ, quelle sorte de coach qu'on voulait. Que ça aurait été Martin ou quelqu'un « outside our network » qu'on a rencontré, qui était capable de répondre à ses qualités, on aurait pu l'embaucher. Alors, les décisions qu'on va prendre vont toujours basées sur ce processus. Ça peut être quelqu'un que... C'est sûr, quand tu connais quelqu'un, tu es plus confiant qu'il est capable de répondre aux besoins. Quand tu emmènes quelqu'un de l'extérieur, c'est sûr qu'on va fier à quelqu'un qui connaît quelqu'un qui dit « Oh, il fie à ses qualités. » On va prendre notre décision à nous-mêmes. Mais si quelqu'un s'assied en avant de nous pour 20 minutes, 30 minutes, ça va être plus difficile de déterminer qui est capable de répondre à qu'est-ce qu'on cherche. Merci. Arpin. Hey, Arpin Basu from The Athletic again. It's a question for Jeff and or Kent. I think everyone can recognize over the last little while that it's been difficult for you guys to properly evaluate your team, the players, because of just everything was not going well, to be kind. How does this, you know, especially coming, you know, 6 weeks before the trade deadline, you have a lot of big decisions to make personnel-wise. How much is this move, do you think, will help you get a proper read on your guys, as opposed to what, I mean, in Jeff's case, since the end of November, it's been a disaster, let's be real. And so it's been tough to kind of get, I guess, a proper read. And so in that sense, is the timing somewhat based on that as well, because you weren't getting the proper evaluation that you wanted to get? Yeah, that's a good question. I think so. I think that, you know, if anybody that's watched our team recently, you know, it's been a really difficult year for a lot of different reasons. You know, to start off with the short summer they had coming out of the Stanley Cup Finals, the injuries to the quality of players that were out, the type of leaders that are out of the room, the COVID, the injuries, everything that added up on this team even before I got here was massive and a lot to overcome. We all understand that. But as we headed into the break, our team, you know, the energy level, the effort had dipped, and it was becoming increasingly harder to evaluate people in that situation. So trying to create a new environment where we can, you know, see guys hopefully at closer to their level was something that we talked about a lot. Yeah. And Arpin, just to add to that, again, that would be a side benefit in my opinion. Like a kind of a collateral benefit that players are performing more to their potential and we're able to evaluate them. But he's not here to, the primary reason he's here is not for us to evaluate hockey players. Primary reason he's here is to help us move the organization forward. Merci beaucoup. Marc-André. Marc-André Perrault de VRSport encore. La question est pour Kent. Est-ce que, ça fait quelques semaines, mois que vous êtes ici, est-ce que la situation est pire que vous pensiez? Et est-ce que les partisans doivent s'attendre à ce que ce soit un processus qui va être long?
Je peux pas dire que c'est pire. C'est sûr que il y a tellement de blessures. Alors les données changent. Ok. Je pense qu'il y a 3 ou 4 joueurs qui sont blessés depuis que je suis arrivé. Alors les circonstances changent de jour à jour à cause des choses qu'on peut pas nécessairement prévoir. Côté de est-ce que ça va être plus lent? Encore, on va prendre les décisions. C'est sûr qu'on va bâtir une équipe pour le futur, bâtir un certain style d'équipe aussi. Ça, c'est les décisions qu'on va avoir à prendre. Mais je pense que j'avais mentionné aux conférences de presse que dans le rebâtiment, ou je ne sais pas le mot qu'on veut utiliser, à New York, il y a beaucoup de choix de repêchage, des Lafrenière, des K'Andre Miller, des Kako, mais aussi des échanges qui ont fait emmener Strome puis Zibanejad, qui ont probablement eu un plus grand impact à l'équipe. Alors, si on trouve des échanges qui peuvent aider l'équipe, qui sont des hockey trades, on dit, on va les faire. C'est pas juste une question des échanges qui sont faits pour des choix de repêchage. On va évaluer tout. Merci, Marc-André. Jean-François. Salut, Martin. Encore Jeff Chaumont du Journal. Je t'ai fait reculer de pratiquement 30 ans. Mais tu débarques à l'Université du Vermont avec ton grand ami Éric Perrin, puis une des premières personnes qui t'accueille sur le campus, c'est Dominique Ducharme. Juste curieux de savoir comment tu te sentais quand tu remplaces pas un peu inconnu, tu remplaces quelqu'un avec qui tu avais quand même une relation, puis il t'a influencé dans ta carrière de joueur. Oui, non. Écoute, Dom, c'est un très bon ami. C'est une circonstance qui est très difficile pour moi, dans mon premier emploi dans la Ligue nationale, de prendre la job d'un de mes chums. C'est quelque chose, je suis sûr qu'à un moment, on va en parler de ça, moi puis Dom. Mais je sais que c'est une tête de hockey, puis c'est un très bon homme, puis je sais qu'il va rebondir, puis il va faire des bonnes choses dans le hockey. Mais comme tu dis, c'est vraiment une circonstance qui est très délicate pour moi. Merci beaucoup, messieurs. Thank you very much.